Benvenuti, bienvenue. Grazie. Raconter, c'est un petit peu comme un air de flûte. Est-ce que vous voulez bien me prêter vos oreilles? Ascoltare. Oui? Oui. Bien. Couteau! Un simple caillou des montagnes. Et pourtant, ce caillou a voyagé. Alors, ce caillou, j'ai trouvé un jour où je m'amusais à faire des ronds dans l'eau, assis au bord d'un étang, au bord de la mer. Je jetais des cailloux dans l'eau et celui-ci m'a dit « Me jette pas, j'ai des histoires à te raconter. » Je l'ai laissé me raconter son histoire. Il m'a raconté qu'il était né pas bien loin d'ici. Vous voyez le lac qui est là? Le lac Vert. Juste au-dessus, vous avez le lac Basto et le lac Noir. Quand vous arrivez tout en haut, sur la droite, vous avez le Grand Capelet, et sur la gauche, vous avez le Mont Bégo. L'instant où la terre gazeuse est devenue de la lave, où la lave s'est solidifiée, où les continents ont existé, j'existe. Je connais l'histoire du monde. Tout est écrit en moi. Je vais tout te raconter. J'ai été porté au plus haut. Je fus un temps le sommet du mont Bégo. Un jour, un éclair m'a frappé. Il m'a donné la liberté. J'étais le sommet de la montagne. Et j'ai voyagé. La neige m'a poussé dans le... J'ai suivi la rivière. Je suis arrivé à Casterino. De Casterino, je suis arrivé à Saint-Dalmas-de-Tende. Et puis, j'ai descendu la Roya jusqu'à arriver au bord de la mer où tu m'as trouvé. J'ai dit au caillou, eh bien, je te ramène vers les hauteurs maintenant. Voici comment naissent les histoires. Tout du moins, comment les bergers les racontent.